Valenciennes est resté muet pour la troisième fois de la saison en concédant le nul à domicile face à Lorient. 0-0, score final, Valenciennes qui aurait pu s'imposer si Dossévi n'avait pas raté cette frappe qui passe de peu à côté. Valenciennes est muet pour la troisième fois de la saison. Ils sont premiers les nordistes, les Merlus eux sont dixièmes. La Serre d'Ajaccio qui s'impose 6-0 face au Sébastien. Le premier but il est inscrit par Lipini à la 9e. Le doublé à la 14e. Le triplé à la 17e. Il faudra attendre 57 minutes plus tard exactement pour un but contre son camp de Julien Palmieri à la 74e. Cavalier à la 88e. Et à 84e pour le doublé. La Serre d'Ajaccio est 3e. Le Sporting Club de Bastia, plus mauvaise défense avec 23 buts et 18e. Les Lorientais qui rejouaient une fois de plus face à Bordeaux n'ont pas su faire le poids. 0-0 score final. Deuxième match nul pour les Lorientais qui sont 10e avec 35 points. Les Girondins, eux, sont 17e avec 20 points. Le FC Nantes et le Stade de Reims se sont séparés sur un score nul et vierge de 0-0. Reims reste une lanterne rouge avec seulement 11 points. Nantes est 12e avec 32 points. Le Stammer de Caen qui s'impose 3 buts à 0 grâce à un but de Bénézé à la 15e. Ensuite, c'est Bénézé pour le doublé à la 36e. Et pour le troisième but, c'est Sloane Privat à la 39e. Evian lance match nul 0-0 au score final. Les équipes auront tenté sans pour autant trouver la faille. Match nul, score final qui paraît logique. Nice et Metz qui ont fui. Ont pas su marquer 0-0 score final. Nice est 15e. Le FC Metz n'est que 2e. Toulouse-Guingamp, match à 0, match à enjeu, match à but 0-0 score final. Les Toulousains sont désormais 6e, nonavant Guingamp et 11e. Lens-Sochaux, match à but, score final 4 buts à 1. Le premier but il est inscrit par Edouard Butin à la 51e. Le second par Stopila Sunzu à la 54e. La Laina Nomedjari réduit l'écart pour les Lensois, 2 buts à 1 pour Sochaux. Philippe Djebbama contre son camp pour les Sochaliens à la 63, à la 66e pour le 3 buts à 1. Et Topi Lassonzou pour le doublé à la 71e, 4 buts à 1 pour les FC Sochaux. Et enfin Paris qui s'impose pour la première fois depuis la 8e journée. L'unique but, il est inscrit par Edinson Cavani à la 2e. Valenciennes est leader avec 181 points. Le PSG est 7e et gagne pour la première fois depuis la 8e journée. Lens-Avant Guingamp occupe la 11e place, l'AS Saint-Étienne est toujours avant-dernier. Le programme de la 14e journée avec Lens qui ira du côté de Lyon, Lyon qui recevra, plutôt qui ira du côté Nice, Paris recevra Lille, Nantes recevra Toulouse, Metz-Lens, LOSC-Ajaccio et enfin pour terminer, Girondins-Bordeaux, Stade de Reims.